Moi, je dis stop. Moi, je dis assez. Je dis non au mec qui refuse le préservatif. Moi, je veux le meilleur pour mon corps. Spot télévisé, centre d'information ouvert en permanence pour répondre à toutes les questions, campagne de sensibilisation dans les boîtes de nuit, toutes sortes de moyens sont mis en œuvre contre les infections sexuellement transmissibles. Une lutte à laquelle souhaitent participer ces élèves en deuxième année d'école de soins infirmiers. Ils ont choisi de suivre un module spécial pour améliorer la prévention, ne serait-ce que dans leur propre génération. Je pense que ça se sait que dans la société qu'il faut porter le préservatif, enfin tout le monde le sait. Mais après de là à le faire, il y a une grande différence, je pense. Parce qu'on entend même avec les amis, on entend oui mais je lui fais confiance et puis il m'a dit qu'il avait fait le test il y a pas longtemps. Donc c'est bon, il a rien. Et enfin non, ça marche pas comme ça. J'entends encore beaucoup, moi je le mets pas parce que ça m'enlève du plaisir, parce que c'est moins bien, parce que je me sens serrée. Elle a l'air fraîche, alors... Il n'y a pas besoin, ou alors il est beau, ça se voit sur sa tête qu'il n'est pas malade. Donc les gens se fient trop au physique pour déduire qu'il est sain, il est en bonne santé. Le problème, c'est souvent ce qu'on ne voit pas. Et les IST, bien souvent, on ne les voit pas. Donc il y a beaucoup de travail pour sensibiliser les gens au risque. Ils ne se rendent pas bien compte des conséquences que ça peut avoir, hein, que ce soit une femme qui devient stérile à cause d'une IST toute bête qui aurait pu se soigner très vite, que ce soit évidemment le VIH-SIDA qui réapparaît. Il y a un vrai problème de non-prise en compte d'un danger qui n'est pas apparent. L'infection qui peut entraîner une stérilité définitive, c'est la chlamydia. Avec la syphilis, elles redeviennent de véritables menaces pourtant très méconnues. On voit réapparaître des cas de syphilis de plus en plus nombreux, dans la population parisienne et pas seulement, parce que justement, c'est le signe que malheureusement, les gens se protègent un peu moins aujourd'hui qu'hier, quoi. J'ai des copines qui, on a eu une discussion à propos du préservatif et des fellations, et elles m'ont dit, moi j'utilise pas le préservatif, c'est dégueu, et faut pas oublier qu'il y a la syphilis qui revient beaucoup, et qui se transmet pas mal par fellation, et faut continuer de se protéger et pas oublier tout ça. Et ces prises de risque sont d'autant plus inquiétantes qu'en dehors du VIH, le réflexe du dépistage est presque totalement inexistant. J'ai été juste faire un test du sida avant d'enlever le préservatif et d'avoir confiance en la personne aussi, surtout. Et sinon, non, j'ai jamais fait de... C'est vrai que j'ai jamais pensé à faire d'autres dépistages pour les MST, en fait. J'ai juste fait sida, mais c'est vrai que ce serait intéressant d'en faire. Le problème, c'est qu'il reste encore des freins au diagnostic, même s'il est anonyme et gratuit. C'est vraiment important, à mon avis, de rassurer les gens sur l'anonymat, sur la prise en charge qui est gratuite, parce que tout ce qui est IST, c'est gratuit. Et c'est anonyme. Et il y a plein de gens qui ne le savent pas. L'appareil reproducteur féminin comprend principalement les ovaires, les trompes de Fallope, l'utérus et le vagin. Ces organes sont vulnérables aux infections bactériennes pouvant être dues à un manque d'hygiène ou des maladies sexuellement transmissibles. La chlamydia et la gonorrhée, par exemple, sont causées par des bactéries qui entrent dans le vagin lors d'un rapport sexuel. Ces bactéries se multiplient dans l'environnement chaud et humide du vagin, entraînant une inflammation, une douleur et des pertes vaginales. Si elles ne sont pas traitées, les infections vaginales bactériennes peuvent s'étendre à d'autres organes internes. Par exemple, les bactéries peuvent entrer dans l'utérus par le col. Dans ce cas, les bactéries peuvent infecter les trompes de Fallope, continuer à se multiplier et créer un tissu cicatriciel. À partir des trompes de Fallope, l'infection peut également s'étendre aux ovaires ainsi qu'à d'autres structures abdominales, telles que la vessie, les intestins, et les parois du bassin. Le tissu cicatriciel laissé par l'infection bactérienne peut entièrement boucher les trompes de Fallope de telle sorte que l'œuf ne peut pas passer dans l'utérus. Le résultat est soit une stérilité du fait que le sperme ne peut pas atteindre l'œuf, soit une grossesse extra-utérine, une urgence médicale dans laquelle l'œuf est fertilisé et commence à grossir dans la trompe de Fallope. Si vous présentez un symptôme quelconque de maladie sexuellement transmissible ou de la MIP, consultez votre médecin. Une détection précoce et un traitement sont vitaux pour éviter des résultats médicaux déplorables. Bonjour, je suis chlamydia, une infection sexuellement transmissible.
Pouvez-vous expliquer à nos spectateurs ce qui fait votre spécificité? Alors moi, ma spécialité, c'est la contamination. Je passe inaperçu, ou quasiment, ce qui est plutôt pas mal dans mon cas, parce que si je me fais repérer, une petite prise d'antibiotiques et je deviens aussi inoffensif qu'une jeune pucelle. Mais bon, la plupart du temps, les gens ne me repèrent pas, ce qui me permet de faire mon job bien tranquille, dans mon coin. Justement, vous parlez de votre job. Que pouvez-vous nous dire sur vos effets? Mes effets? Vous voulez que je vous les montre après l'interview? Oh, c'est bien les gens d'aujourd'hui, ça n'a aucun sens de l'humour. Bon, vous me demandiez quoi, au juste? Vos effets. Mes effets, oui, bah écoutez, rien que du très classique, mais efficace. Si on me laisse bien faire mon travail, je peux provoquer de belles grossesses extra-utérines ou bien des stérilités, ça c'est selon l'humeur. Et vous avez des cibles privilégiées? Moi, pas du tout, j'aime tout, les hommes, les femmes, les homos, les hétéros, les jeunes, les vieux. Ah oui, avec une petite préférence pour les jeunes quand même. Comment résister à autant de fraîcheur, d'innocence, ces corps, tout ferme. Oui, oui, bien sûr. Et donc, qu'est-ce que vous pensez du dépistage? Du quoi? Qu'est-ce que vous pensez du dépistage régulier des IST comme vous? Je connais pas. Jamais entendu parler. Oula, il se fait tard, hein. Je vous laisse, je dois y aller. J'ai beaucoup de travail. Attendez, on avait terminé. Cap de fin, caméra 3.